Bonsoir, bonsoir tout le monde. On est choqué. Regardez la main de Alan qui a pris son baptême il y a combien de temps? Moins d'un mois. Moins d'un mois, il a pris son baptême. Et sa main était malade, vraiment très abîmée depuis au moins 2 ans. Rien à faire avec le traitement. Et là, sa main est en train de se guérir, mes amis. C'est avec c'est... la grâce de la prière. Alléluia. Il s'était passé quoi? Tu peux dire un peu hein? J'ai fait une allergie au gant en cuir au travail. J'ai été soigné dans le plus grand hôpital de Paris avec les plus grands médecins. 2 ans de traitement, rien. Et en moins d'un mois de prière intensif, on voit l'évolution. Donc il faut mettre sa foi vraiment en Dieu et pas en l'homme. Et voilà, donc je vous incite à prier. Donc avec la prière, tout peut se faire. C'est ça. Et du coup, même tes pieds aussi, t'es malade, hein? Oui, j'ai fait... Ouais, parce que les sécurités étaient en cuir. Ouais, les chaussures aussi, ça a fait une allergie aux pieds. Et les pieds étaient malades aussi, mais vraiment, je me rappelle quand je l'avais vu, c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment très très abîmé, ses mains. Et là, la restauration, elle est terrible, hein? Et du coup, tes pieds aussi, ça se guérit aussi, là. C'est même plus guéri. C'est même guéri, quoi, il dit. En tout cas, voilà ce que fait Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant et quand on voit ça, ben, il ne peut que s'accrocher au Seigneur. Hein. Il ne veut pas dire non, c'est des blagues, c'est réel. Jésus-Christ travaille, il est vraiment vivant. Donc en tout cas, on bénit le Seigneur pour notre frère Alan, qui est pour son baptême avec sa femme. Donc voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est le seul sauveur, le seul vrai Dieu. Donc voilà ce qu'il fait, il guérit. Donc voilà, il faut l'invoquer simplement et mettre sa vie en règle. Et il va vous guérir aussi, mes amis. Alléluia. T'es joyeux? Alléluia. Allez, à bientôt.